Yo yo yo. Je refais la vidéo sur les vêtements de la semaine. Et d'ailleurs, je vais changer le titre de l'ancienne, comme ça portera pas à confusion. Et cette fois-ci, je vais vous donner l'intégralité des vêtements qu'on a à débloquer cette semaine. Comme ça, il y a tout, il n'y a pas besoin de faire plusieurs vidéos. Et à l'avenir, je ferai ça. Au lieu de poster la première vidéo à midi et de mettre la suite plus tard, j'attendrai vraiment toutes les news de Rockstar pour vous donner tout dans l'intégralité sans avoir besoin de refaire deux vidéos. Parce que c'est pas très pratique. Donc, on va déjà commencer par ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, cette semaine, on a un t-shirt d'Inka vieilli à débloquer qui se trouve dans les hauts spéciaux, puis dans logo de fabricant. Alors, pour celui-là, il suffit juste de se connecter, il n'y a rien à faire. Mais il y a une condition pour l'avoir, c'est de déjà posséder le t-shirt d'Inka qu'on a débloqué il y a, je crois que c'était il y a 3 semaines. Plus ou moins, en tout cas il n'y a pas très longtemps. Donc il faut avoir ce t-shirt pour prétendre à celui-ci. Et donc il suffira juste de se connecter et jouer, il n'y a rien à faire, juste de se connecter. Voilà pour le t-shirt d'Inka. On a ensuite un masque à débloquer. Alors pour le masque, ce sera un masque émissif crâne fluo, c'est comme ça qu'il s'appelle je crois. Et donc il se trouvera dans les masques intégraux. Là j'en ai deux, mais c'est pas cela, hein. Ce sera le troisième à débloquer dans cette catégorie. Et donc pour l'avoir, il faudra faire une mission préliminaire du braquage de la fin du monde avant le 17 mars. Et le masque sera disponible à partir du 22 mars dans un délai de 72 heures après la connexion. Donc j'insiste bien sur le fait qu'il faut faire une mission préliminaire. Donc faites bien attention à ça. Et pour le braquage de la fin du monde, donc c'est pas fuite de données ni Bogdan, c'est bien le braquage de la fin du monde. Faites une mission préliminaire. Et vous aurez le masque à partir du 22 mars. Voilà. Et puis cette semaine, comme la semaine dernière, on peut encore débloquer, pour ceux qui ne l'ont pas fait, la tenue de basket Prolaps. Donc le haut, je vais vous montrer le haut à quoi il ressemble. Donc ça, pareil, vous avez jusqu'au 17 mars pour le faire. Alors, il est où déjà? Il est là, voilà. Je vais mettre le haut et le bas, comme ça vous donnera une idée de l'ensemble pour toutes les personnes qui ne l'ont pas fait. Oh. Short de sport. Ah bah c'est le premier. Voilà. Donc voilà, cette semaine, le masque, la tenue pour ceux qui ne l'ont pas, la tenue de basket. Pour cette tenue, par contre, je ne l'ai pas dit, il faudra juste faire un braquage de Caio Perico. Et prendre des objectifs secondaires pour avoir le bas. Voilà, comme ça vous faites le braquage en ramassant des trucs dans votre sac et vous avez la tenue complète. Le masque, donc il faudra faire une mission préliminaire du braquage de la fin du monde avant le 17 mars. Il sera disponible le 22. Et enfin, le t-shirt d'Inka vieilli pour toutes les personnes qui ont déjà récupéré le t-shirt d'Inka. Voilà, donc les trois vêtements à débloquer cette semaine. Et cette fois-ci, c'est complet. Bis bis.